Je parlais des chansons, c'est pas par hasard, parce que page 76 de votre livre Marie-Jo, vous écrivez qu'en 2002, votre frère a failli exaucer votre rêve de gamine en faisant de vous une chanteuse. Oui, c'est vrai que j'étais partie m'entraîner à San Diego. Mon frère, j'étais un petit peu blessée. Je voulais préparer les championnats du monde à Paris, de Paris en 2003. Et bon, j'étais pas très bien. Il est arrivé avec une petite mélodie et il m'a demandé justement de poser ma voix sur cette mélodie-là, effectivement. Et alors ? Ben écoutez, je sais pas. C'est encore une envie ou pas d'être chanteuse un jour ? Pas du tout. Bon. Non. C'était pour vous remonter le moral que votre frère a fait ça? Oui, c'est un petit peu ça, oui. Parce que c'était après l'Australie. Oui. Après les JO à Sydney. On va commencer par ça, parce que là, on va crever l'abcès. Ça fait 8 ans que les Français se demandent. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Marie-Jo Pérec à cette époque? Pourquoi elle a quitté Sydney? Alors qu'on avait évidemment envie que vous ayez, et vous aussi, j'imagine, autrement vous ne seriez pas allé sur place, on avait envie que vous ayez une médaille supplémentaire. Vous étiez, alors là, anéanti, c'était la une de l'équipe à l'époque. Vous avez vraiment prononcé cette phrase, je suis anéanti? Bah, c'est vrai que lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais très très mal, oui. Ouais. Vous êtes parti parce que vous avez eu peur, vous étiez effrayé. Alors je ne sais pas, c'était une paranoïa. Vous dites que non, hein, que ce n'est pas de la paranoïa, que concrètement, on a voulu vous faire peur, on a voulu vous faire fuir. Vous en êtes aujourd'hui toujours persuadé et vous racontez des faits précis dans ce livre. Oui, bien sûr. En fait, j'explique 3 ans avant ces Jeux. Je dis en fait qu'il y a eu l'arrivée d'une jeune fille championne olympique en 1996 en hockey sur gazon, une Australienne, qui est arrivée dans le groupe de John Smith pour faire de l'athlétisme. Il faut savoir que ce genre de groupe, normalement, il n'y a pas de... Enfin, il faut quand même avoir un très bon niveau pour y accéder. Et je pense que, justement, c'est là, à mon avis, qu'a commencé toute une période de... Enfin, moi, j'ai senti que... Tout ça, c'était fait un petit peu pour me déstabiliser, voilà. C'est que de toute façon, depuis Atlanta, pendant 4 ans, l'une et l'autre, les deux rivales pour ces futurs JO de Sydney, c'est-à-dire Cathy Freeman et vous, vous observiez. Il y avait une sorte de lutte à distance, déjà. Oui, bien sûr, puisque au jeu d'Atlanta, elle est deuxième. Ouais. Et quelque part, ben, c'est la jeune qui arrive, voilà. Et c'est une pression énorme sur vos épaules. Oui, mais en même temps... quelque part, j'avais l'habitude. J'avais l'habitude de ce genre de pression. Enfin bon, c'était pas mes premiers jeux en fait au Sydney. Donc tout ce qui concerne en fait la compétition, ce sont des choses en fait que moi je pouvais gérer, que je savais gérer, même si. Moi je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais lorsqu'on prépare les jeux, qu'on est attendu, que ce soit votre course qui est la course est la plus attendue, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais c'est quelque chose de... C'est très très lourd à porter, quoi. Donc en dehors de ça, avoir des gens autour qui essayent si vous voulez, d'emmener d'autres choses que vous ne pouvez pas contrôler. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était trop, quoi. Vous écrivez « Mon départ n'aura rien à voir avec la peur de ne pas être au niveau », parce que certains ont écrit ça à cette époque, évidemment. Certains ont cru que vous n'étiez plus capable de courir et d'affronter, d'être confronté à votre rival. Vous dites « En prenant l'avion pour Sydney, je savais que la bagarre serait intense. L'Australie, qui était le cadet de mes soucis, m'a sauté à la gorge dès la sortie de la zone de transit. La délivrance de mon accréditation provisoire censée être fournie en un clin d'œil a pris 3 heures, par exemple. » On a dès le départ administrativement essayé de vous emmerder, quoi, en quelque sorte. Oui, il y avait énormément de choses qui étaient faites justement pour me déstabiliser, voilà. C'est a posteriori que j'ai pris la mesure de l'engagement d'un pays entier, l'Australie, aux côtés de sa représentante. J'ai immédiatement eu le sentiment que je serais sa cible, sa proie. Mais alors là, c'est là où on a envie de savoir, d'en savoir un peu plus encore, puisque vous finissez par partir, par quitter cet hôtel où vous êtes. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution pour le dire, pour le crier à la presse, pour dire « je suis mal ici, je veux qu'on me protège, je ne me sens pas protégée ». En même temps, quelque part... Plutôt que de partir. Bah écoutez, quelque part, j'explique aussi comment est-ce que je fonctionne. Je suis une solitaire. Voilà. J'explique que, en fait, ma fédération, je ne les vois que tous les 4 ans, que ce sont des gens qui arrivent quand j'ai la médaille. En fait, j'explique que je suis Pourquoi c'est le cas de la plupart des grandes championnes? C'est pas seulement vrai en athlétisme. J'ai l'impression que dès qu'on a un champion ou une championne quelque part, il est toujours mal avec sa fédération. Je pense à Jeannie Longo pour le cyclisme, Laure Manaudou avec son entraîneur Philippe Lucas par rapport à sa fédération pour la natation, Colette Besson peut-être déjà à l'époque, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que les gens... moi, je crois que c'est très difficile, en fait, d'accompagner quelqu'un sur un projet comme celui-là. Et je crois que, justement, il faut accompagner les gens, mais justement, en leur laissant un petit peu le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire. Je crois qu'il ne faut pas imposer des choses, parce que je crois que le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est déjà assez dur comme ça, pour qu'on puisse vouloir à tout prix vous mettre dans une case. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi... Comment dire, est-ce que les grands champions ne sont pas victimes aussi d'un certain snobisme? Par exemple, expliquez-moi, moi j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le groupe de Smith, là, c'est comme ça qu'il s'appelle, plutôt que dans ce que vous faisiez faire Piacenta, je dis pas de bêtises, c'est ça, j'ai bien, excusez-moi pour les noms. Ben justement, c'est... En gros, la question de Zemmour, c'est pourquoi vous êtes parti aux États-Unis vous entraîner avec un entraîneur américain plutôt que de rester avec les entraîneurs français, qui vous amenait quand même à vos premières victoires. Ça. Oui, mais en fait, j'ai été championne du monde, championne olympique avec John Smith, et derrière, avec Piacenta, et derrière, voilà. Moi j'avais d'autres rêves, j'avais envie de faire un doublé par exemple. Déjà à Barcelone, je demandais à mon entraîneur de faire le 200 mètres. Il me disait, mais non, enfin... Les gens refusent de vous laisser aller vers ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie. Donc à partir du moment où on sent qu'à un moment donné, on doit aller plus haut et que la personne avec laquelle on est, elle ne peut pas vous accompagner, moi je pense qu'il faut changer d'accompagnateur. Je vous demande ça parce que vous savez ce que les gens pensent. Ils pensent, un, c'est le mythe américain, ils tombent tous dedans, et deux, plus grave, ils pensent... là-bas, il y a le dopage autorisé et pas en France. Oui, mais ça, on ne peut pas le dire sur moi, c'est pas possible. Ben non, mais je vous dis, voilà ce que les gens pensent. Non, quand ils vous voient tous partir aux États-Unis, c'est comme les pays de l'Est avant, quoi. On se dit, ah bah ben là-bas, d'ailleurs, tous les Américains, maintenant, on sait qu'ils sont tous dopés. Non, Marie-José, vous êtes très anti-dopage, vraiment à mort. Oui. Vous êtes très anti-dopage. Non, mais il faut qu'elle perce elle-même les abcès, parce que les gens pensent ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, moi je suis partie en fait aux États-Unis et plus précisément dans ce groupe parce qu'en 92, lorsque je gagne en fait à Barcelone, vous voyez comment je suis une personne complètement stressée, enfin fragile. On peut dire ça. En même temps très forte. Oui, c'est ce que je dis. Je gagne. Mais je gagne dans la douleur. Je gagne, je suis pas épanouie. Je suis sur moi-même. C'est bien, mais c'est pas ça. Et je regarde sur le terrain d'échauffement. Je reviens après ma course et je regarde les Américains. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ils sont complètement décontractés. Les gens, ils dansent. Les gens, ils sont. Mais on se demande comment ils peuvent être dans un état comme ça. Et alors, comme vous dites, un peu peut-être que c'est le rêve, mais finalement, je vais vous dire quelque chose. Avant les courses, avec Piacenta, je vomissais, mais je vomissais. J'arrivais au départ, j'avais plus de force. Je ne mangeais pas pendant en fait, les 4 jours de compétition. Je suis partie aux États-Unis avec John Smith, ma première compétition. Je suis allée à New York. J'étais assise dans un coin, j'étais comme ça, j'attendais mon tour pour pouvoir m'échauffer. Il me dit, il vient me voir, il me dit, mais c'est quoi ça? T'es championne olympique, toi, t'es championne du monde. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Décontracte-toi, lève-toi. Il m'a mis un peu de musique. L'envie de vomir, elle a disparu. Je n'ai plus jamais vomi, plus jamais. Parce que ces gens-là, ils savent vous accompagner dans la compétition. Ils savent mieux travailler sur le mental que les entraîneurs français. Et en fait, ils ne transpirent pas la peur. Ils sont là, ils vous décontractent. Et avec du recul, je me suis dit, mais en fait, moi j'étais déjà stressée. En regardant mon coach, qui avait encore plus peur que moi, effectivement, j'étais comme ça dans mon coin. Et surtout que je suis déjà une personne comme ça. Je peux vous dire que ça m'a fait un bien. Alors... Atlanta, mais alors, je pars au départ du 400, mais je n'ai aucun doute. Je sais que je vais faire, que je vais faire un doublé. Enfin, je suis libérée de tellement de choses, vous n'avez pas idée. Alors peut-être que le rêve américain... La preuve sont les résultats que vous obtenez là-bas. Certainement que c'est ça, mais je pense qu'ils ont un plus... que nous, on n'a pas ici. Voilà. Non, non. Oui, mais c'est ça qui est paradoxal dans votre cas, Marie-Josée, comme dans celui d'autres champions. C'est le moment où se révèle la fragilité, le moment où vous craquez. Vous, au moment où vous craquez, vous avez un palmarès incroyable, inégalé pour les Français. Oui. Je pense aussi à Zidane, qui a tout gagné et qui cède à une provocation stupide en finale de Coupe du Monde. Et ce sont des gens qui sont blindés et ils craquent au moment le plus inattendu. Que vous ayez craqué, par exemple, comme ça, au tout début de votre carrière, une pression, mais vous arrivez, vous avez tout gagné, vous n'avez plus rien à prouver. Comment expliquer? Parce que vous pensez que je n'avais plus rien à prouver. Mais c'est ce que vous pensez. Moi, je rêvais en fait d'un 3e titre olympique sur 400 mètres, ce qui m'aurait fait 4 médailles d'or, mais c'est... Vous n'avez pas idée, ça s'est jamais fait. Alors, quoi. Alors... Donc il y avait une réelle pression. Certes, c'était la mienne, certes, je me la suis mise, mais... je pense que si en fait on n'est pas comme ça, on ne peut pas avancer. Alors, moi, je reviens à Sydney, puisqu'on y est, justement. Vous êtes dans votre hôtel à Sydney, vous avez une pression énorme, vous vous sentez menacé, vous êtes menacé. On a parfois, évidemment, pour nous, un peu du mal à faire la différence entre est-ce que vous êtes vraiment menacé ou est-ce que vous vous sentez menacé. Vous dites même... Et là, j'ai été menacée. Alors voilà, ma question, elle va être très directe. On a voulu vous tuer, vous pensez qu'on a voulu vous tuer? J'ai pensé ça. Ah, vous avez pensé ça? Oui. Mais, sérieusement, aujourd'hui, vous croyez encore qu'on a voulu vous tuer? Ou c'est un sentiment que vous aviez, vous? C'est un sentiment que j'ai... C'est un sentiment que vous aviez. Vous aviez une telle pression. Exactement. Et je pense que justement, avec la pression de cette compétition, avec les attentes, avec tout ce que on se met soi-même et ce qu'il y a autour, enfin, la pression qu'il y a des autres, sincèrement, je pense que... Vous dites qu'un homme a frappé à votre porte. Je me souviens, j'avais été le premier à déconner à l'époque. J'avais dit, ça se tombe, il a porté le petit déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai. Je me souviens, j'ai recherché. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie à l'époque? Marie-José Pérec a été menacée. Non, mais Marie-José Pérec a été menacée dans sa chambre d'hôtel. Un homme aurait frappé à sa porte et tenté de rentrer dans sa chambre en l'insultant de ces mots terribles. Bonjour, où est-ce que je pose le petit déjeuner? Et là, je blaguais, Non, mais c'est bien parce que vous me détendez. Ah bah merci. On sert un peu à ça aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'était terrible. Le moindre événement qui se passait, qui arrivait sur place, vous preniez ça comme une attaque contre vous. Et là, votre gourou américain, il n'a pas pu vous détendre. J'étais partie de la Californie. Je suis partie m'entraîner à Rostock. Pendant 7 mois. Donc encore une fois, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais lorsqu'on va s'entraîner quelque part, enfin, comme cela, il y a la neige comme ça pendant, en tout cas à cette hauteur, au mois de janvier, février, et qu'on doit faire des couloirs pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que vous croyez réellement que j'aurais pu faire autant de sacrifices et ensuite rentrer chez moi s'il n'y avait rien? Mais je pense qu'il faut un peu... Vous vous sentiez menacé? Non, mais je dis ça pour que les gens puissent comprendre. Non, non, vous avez raison. Mais moi, à l'époque, j'ai cru que... Alors là, c'est bête, mais j'étais de ceux qui pensaient que vous ne vous sentiez pas en mesure de battre Freeman et que vous alliez craquer à cause de ça. Vous savez, lorsque j'étais coureuse, je venais en fait à une compétition si j'étais prête. Et je ne venais pas si je n'étais pas prête. Donc je n'aurais pas pris l'avion pour aller à... Bonne réponse. Pour aller en Australie. Vous aviez déjà, alors ça vous le racontez, en plus c'est un bouquin très honnête hein, que vous écrivez là, vous racontez que de toute façon vous étiez un peu spécialiste du genre, faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'une première fois vous êtes venu en métropole hein, de Guadeloupe, vous avez commencé à avoir un entraîneur, puis ça s'est mal passé, pouf vous êtes parti, pareil, je voudrais pas être votre amoureux. Parce que le nombre de lapins que vous avez dû poser, c'est vrai, vous êtes un peu spécialiste du genre. Oui. On est chanceux qu'elle soit venue ce soir, on peut la remercier. Hein. ça, c'est génial. Mais en même temps... à la fois, pour nous, c'est énervant parce qu'on se dit, bah alors, voilà, et là-bas, on avait envie qu'elle gagne, elle s'en va. En même temps, on se dit, bah voilà, elle ne sent pas, elle se tire. Après tout, mais non, mais c'est vrai, après tout, c'est peut-être tout à votre honneur. Sauf que la polémique, on vous a pourchassé dans les aéroports. Est-ce que vous avez revu les images? Alors, vous êtes avec votre ami, les images à l'aéroport, vous les avez revues depuis? On va vous les montrer, regardez. J'ai pas envie de les voir. Regardez. Cette fois, Marie-José Pérec ne se cache plus. La championne, toujours traquée par les caméras, est revenue dans l'aéroport de Singapour pour prendre un avion d'Air France. Ce matin, son compagnon n'avait pas du tout apprécié qu'un journaliste australien les surprenne dans leur fugue. Listen to me. Do you understand? Yeah. You come near me again and I will hurt you. Do you understand? Il lui casse sa montre, le caméraman se réfugie dans un magasin. Oh. Give me the fucking tape. I'm doing my job, yeah. Alors, le projet Blair Witch, ils ont tout piqué à ce film. Hein. Ils sont quand même pire les choses. Alors, à Cannes, ça ferait un malheur une réalisation pareille aujourd'hui. Je vous le dis. Alors, il vous protégeait votre compagnon quand même, manifestement. En fait, il faut savoir qu'on arrive en fait. À Singapour, il est 5 heures du matin et il y a des caméras en fait. Évidemment, qui vous attendent. Non, non, qui nous suivent en fait pendant des heures et des heures, et donc on leur demande de nous laisser tranquilles et ça n'arrête pas. Mais au bout d'un moment, vous savez, après 10 jours de stress, ben, on craque. Vous verrez, c'est pareil ici à la fin de la mission, au bout de 8 heures, on... Vous racontez dans ce bouquin tout, non mais c'est vrai, vous racontez même votre feuilleton sentimental. Vous êtes une vraie coureuse. Non, c'est vrai. Vous racontez quand même aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'anecdote du départ est étonnante, je la rappelle, parce que vous n'étiez pas faite au départ pour courir, pour être athlète. Non. Non. On peut dire que c'est finalement par hasard. C'est par hasard, bien sûr. Moi, j'ai découvert... j'ai découvert le sport par hasard. Enfin, j'étais très, très mauvaise à l'école. Et ben, écoutez, ça m'est tombé dessus. Et voilà, je me suis accaparée de cette activité. Et puis, ben, je l'ai fait à fond, quoi. Voilà. J'ai tout donné. Enfin, pendant des années, je n'ai vécu que pour ça, que pour courir. Et avec tous les sacrifices qui vont autour, quoi. Et c'est vrai que, ben, en dehors de ça, ben, rien ne comptait, quoi. On va revoir des images de vous en train non pas d'obtenir une médaille d'or, parce que vous savez, à chaque fois c'est très compliqué pour avoir les droits. Non, mais c'est fou ça, hein. Ah, le sport, les chanteuses, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais alors les films, pareil. Mais alors les droits sportifs, boum, boum, vous nous coûtez cher, hein. Ah, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Alors, la seule course qu'on ait, regardez, c'est en 88, mais c'est pas mal quand même, et je suis sûr que pour vous, ça va être un excellent souvenir. Regardez. Marie-José Pérec, à droite de l'écran, avait 1 an et 4 mois quand le record de France du 400 mètres est battu. Détentrice Nicole Duclos en 51 secondes, 72 centièmes. 19 ans plus tard, le record tient toujours. Pendant ces championnats de France, Pérec se réserve pour 7 courses. Elle renonce aux 200 mètres, sa distance de prédilection. Et le record de France tombe. 51 secondes 36 centièmes pour cette Guadeloupéenne de 20 ans, inconnue du grand public et pourtant détentrice de la meilleure performance française cette saison sur 100, 200 et 400 mètres. Nicole Duclos passe le flambeau 19 ans après. L'ancienne championne commente elle-même la course de Pérec. Il me semble qu'elle est passée aux alentours de 24, mais elle est très très bien revenue dans la ligne droite. Elle a fait une ligne droite superbe. Vraiment, je suis ravie. Ravie comme peut l'être la nouvelle recordman de France. Elle a disputé son premier 400 mètres il y a 3 mois seulement. À ce moment-là, 88, c'est le tout début. C'est Urtebise ou c'est déjà Pépin, votre entraîneur? C'est Pépin. C'est lui qui a vraiment cru en vous le premier, quand même, en France. En fait, quand j'ai rencontré François Pépin, j'avais arrêté l'athlé. Voilà, et vous étiez déjà reparti chez exactement. Vous. Exactement. Non, non, j'avais arrêté les cours puisque j'étais à l'INSEP. Et je m'étais trouvé, en fait, un petit boulot de caissière dans une pizzeria à Neuilly. Vous avez eu Nicolas Sarkozy et peut-être Roger Carucci comme client, non? Vous n'avez pas eu Carucci comme client? Peut-être. Si. Vous dites que vous alliez souvent... Je ne sais plus, j'ai lu ça avec Nicolas Sarkozy dans une pizzeria de Neuilly. Et alors, j'ai bien le droit d'aller à la pizzeria. C'est vrai? Ça, vous vous souvenez pas la serveuse qui disait « Je vous amène le plat tout de suite » puis vous la voyez jamais revenir. Eh ben, c'était elle. Rien ne sert de courir, c'est signé Marie-José Pérec. Alors aujourd'hui, vous faites quoi? J'allais vous demander, vous vivez de quoi, Marie-José Pérec? Vous vivez de quoi? Ben écoutez... Est-ce qu'on a gagné suffisamment d'argent grâce au contrat? Parce qu'il y a eu évidemment de nombreux contrats, de nombreux sponsors à une époque. Est-ce que vous en avez encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous lâchent? En fait, j'étais un petit peu radine, donc effectivement, j'ai mis beaucoup de côté, ouais. Ça nous change des boxeurs d'antan qui dilapidaient tout leur argent et qui mouraient clochard, donc c'est bien. Donc vous avez bien placé votre argent et aujourd'hui, tout va bien. Ça va. Et vous avez touché une bonne avance? Oui. Bah voilà, bah alors c'est parfait. Chez Grasset, rien ne sert de courir. Vous saurez tout sur la vie, le parcours et l'explication de Sidney. Tout raconté par Marie-José Pérec. Merci à vous.